Mais non. Salut à tous les amis, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet, ravi de vous retrouver ce dimanche matin, ravi de retrouver Benoît Mélin et Julien Pichenet. Benoît, ça va Benoît? Il n'y a pas de mug Benoît. Non. Peut-être qu'aucun de ces... Oh, j'ai pas pris de mug. Attends, attendez, salut, je vais chercher un mug. Bon, ah bah oui. Il est parti chercher son mug en attendant. Attends. Le dimanche, on a obligation d'avoir un mug avec dessus... Vous voyez pas, mais il a deux boissons. Ah bah c'est un petit café, c'est un petit café. Un petit café, un petit expresso. Tiens, c'est bien juste devant. Regarde, c'est en voilà. Mémoire. Merci. En mémoire. Et toi, c'est... Il m'a donné Rafa. Ben oui, je... Alors, on n'a pas trop le droit, vous savez, de montrer les joueurs sur ce plateau, en photo. Donc, si on peut... Les joueurs? Bah ouais. Non plus? Bah non, non. Bah, c'est pour ça qu'on n'a jamais d'image ou de photo de joueurs dans l'émission. Tu déconnes? Ah bah non, on n'a pas le droit. Ah non, on n'a pas le droit. On a le droit de parler encore ou... Non, mais le monde pourri, bah, quoi. C'est pas de notre faute. Hein, ah, bah, je m'en doute bien que c'est pas de notre faute. Alors, faut pas qu'on voit le joueur. Bah, c'est mieux si on voit. Voilà. Ouais. Moi, je vais mettre la tranche. Si personne ne nous dénonce, ça ira. Ouais, ouais, ouais. Nous dénoncez pas. On ne sait jamais. En pleine forme, je vous l'ai dit, donc j'espère que vous aussi, je vous présente le sommaire de cette émission. C'est la folie. Un Daily Mail pour commencer, forcément. Ensuite, place au tournoi de la semaine. Qui seront les sacrés du dimanche? Analyse de toutes les finales du jour. Ensuite, on va vous livrer nos prédictions sur Monte Carlo, depuis les huitièmes jusqu'à la finale. Je vous rappelle que demain, on fera un mag avec Julien Varlet et Benoît, beaucoup plus long, où on vous présentera les favos, les outsiders. On fera évidemment aussi les premiers tours du jour à Monte Carlo. Et Juju et Varlet va nous faire la tactique la mettre de Varlet, en place sur terre battue. Donc ne manquez pas le mag de demain à 11h. Et puis je me relance parce que Benoît Mélin ne souhaite pas participer à la partie de ping-pong. J'en ai marre. Donc il me l'a dit à 2 minutes là, avant de prendre l'antenne. Ouais. Marie, c'est toi qui joues, j'en ai marre. Ouais, ouais. Ça voilà, m'intéresse plus. Enfin, il y a plus de combat, il y a plus de duel. Y a plus, voilà, c'est voilà, il est écrasé, il est anéanti, dominé. Éparpillé, ventilé. On dirait, je sais pas. Tiens, on dirait Echeverry contre Shelton. Tu vois, le mec, il n'existe pas. Quoi. Il y a histoire de lire qui nous dit vous n'avez pas le droit de nommer les joueurs dont vous parlez. Il faudrait qu'on leur donne des surnoms. Bah, ce serait très drôle d'essayer de faire ça. Des surnoms. Bah, on peut essayer de faire ça dès maintenant. On verra combien. Non, de temps mais au début même, on achetait quand même quelques images. On les achetait. Hein. Tu te souviens au tout début, on montrait des offs de matchs, etc. Ah oui. On achetait oui. Les images. On les achetait, mais on s'est fait réprimander. Ah bah on n'a vraiment plus le droit. On peut pas interviewer de joueurs. On peut pas montrer de photos de joueurs, etc. Ça changera peut-être un jour tout ça. Je ne sais pas. Écoutez, on s'en sort bien pour l'instant. Je vous rappelle aussi que cette émission est à retrouver en podcast, évidemment. Merci d'ailleurs pour votre fidélité et votre bienveillance. J'ai fait mon tableau de Monte Carlo. Je sais déjà qu'il va y avoir des quolibets, qu'il va y avoir des sifflets, qu'il va y avoir des soupirs, qu'il des va y avoir colibets. Des sois sérieux. J'adore ce mot. Qu'il va y avoir des tomates que je vais devoir éviter si je ne veux pas m'en prendre dans la figure. Attends. Que peut-être Benoît va quitter le plateau de rage. Je prédis des surprises. Bon, ah ouais ? Pas dans toutes les parties du tableau. Attends, c'est en fin d'émission tout ça. Je fais un teasing juste. À un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je me retrouve avec cette demi-finale ? Je ne vous en dis pas plus. J'ai hâte. Mais on est dans un truc de gueudin, dans une partie du tableau seulement. J'ai hâte. Une demi-finale bizarre. Ah, mais vous allez me dire, mais t'es resté très sobre ? J'ai un finaliste qui peut être bizarre. Ouais. Un finaliste. Ne oubliez le premier trimestre 2024. Ah, toi, t'es parti sur de nouvelles bases. Oubliez ce que vous avez vu, oubliez vos croyances, oubliez vos certitudes. Je sais, Marie, que pour toi, c'est parfois difficile d'oublier tes certitudes. Hein ? Alors, tu sais que tout le monde nous parle de Matteo dans le chat, hein, Julien Pichenet. Regarde Dynastie, la piche, parle-nous de Matteo avec un petit cœur. On va en parler de Matteo Berrettini, mais d'abord Daily Mail. Marie Furtado nous demande s'il y aura les deux Julien pour le MAC de demain. Non, il y a Julien Varlet seulement. C'est vrai que Benoît Mélin. Pour une simple et bonne raison, c'est que Julien Varlet et Julien Pichenet ne sont qu'une seule et même personne et qu'ils ne peuvent pas, par conséquent, apparaître dans la même pièce au même moment. C'est aussi simple que ça. Voilà. Si tu pouvais pas voir Clark Kent et Superman au même moment, parce que c'est. Tu as un petit côté Clark Kent d'ailleurs. Ah, tu l'as déjà dit Non, il était. Enfin, ça dépend de. Lequel? Oui, ça dépend. C'est vrai. Christopher Reeve était très beau, voilà. Mais tu es très beau, tu es très beau. Non. En plus, il était très grand, très fort, tout ça. Moi, je suis flasque, je suis une omelette. Oui, t'es bien en Clark Kent, quoi. Ouais. En Superman, c'est vrai qu'avec la cape, c'est le collant, ce serait bizarre. Ouais. Faudrait voir. Colin bleu, les je sais news, pas. Benoît Mélin. Tiens, on va parler d'un Superman qui s'est fait interviewer à la mi-temps du match de foot, le Rafa Nadal sur Movistar. Boum, alors Rafa, l'intervieweuse en folie comme ça, pantelante d'admiration devant son Rafa. Alors Rafa, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, qu'est-ce que t'as?
C'était pas moi qui l'interviewais. Hein. C'était pas toi. Bah, ma Marie, elle l'a embrassé dans le cou. Donc c'est interdit, Rafa, ça, c'est interdit. De l'embrasser dans le cou. Agression. Ah bah, ça fait partie des rêves de ma vie. Pour harcèlement sexuel. Ah bah, non, non, mais plus bah, sérieusement. Je vois pas pourquoi Marie échapperait, c'est interdit. Vous vous souvenez de cette fan qui était venue faire un bisou sur la joue de Rafa à l'US Open 2009 ouais. Ça avait fait polémique à l'époque. Non, non, je vois pas pourquoi Marie aura le droit parce qu'elle est fan depuis la première heure. Je me souviens pas de quoi. Quoi, une moi non plus, je me souviens pas de quoi. Qui était venue sur le terrain faire un bisou sur la joue. Sur le cours. Ouais, enfin, au moment où de la poignée de main. Oh. Vous vous souvenez pas de ça? Ah non. Ah bah ça avait fait polémique. Donc il serre la main au mec à fin d'un match. Oui, il y a une fan. Et la fille rentre. Il lui fait juste un bisou, mais ça. Ça oui, mais vaut mieux un bisou qu'un doigt d'honneur, comme avait reçu Rafa Nadal. C'était dans même, les tribunes. Enfin, la nana, elle peut être aussi avec autre chose qu'un bisou, quoi. Oui. Allez, bref. Donc Rafa a répondu à cette journaliste pantelante d'admiration en lui disant voilà. Oh, j'ai raccourci parce que c'était long. La réalité est que je ne suis pas en position de rivaliser. C'est très dur. Je le cite. Depuis mon retour d'Australie, depuis 2 mois, j'ai un problème aux abdominaux. Ça y est, enfin, il le dit. On ne parle pas du tout du dos, de la hanche, rien du tout. Donc, problème aux abdominaux. La situation, c'est vrai que la situation est compliquée, rajoute-t-il, mais je n'exclus pas, comme on l'a dit, d'être à Barcelone la semaine prochaine ou à Madrid. Voilà. Donc, bon, il dit aussi que ça nécessite quand même du repos et que pour l'instant, il ne s'entraîne pas à 100%. Donc, non, bah bon, voilà. La seule nouvelle, c'est que ce sont les abdominaux. Sinon, ça a brodé pendant un quart d'heure pour dire toujours la même chose. Fabio, lui, a fait comme pas mal de joueurs, vu que Monte Carlo n'est pas un tournoi obligatoire, a déclaré un forfait au dernier moment, donc il n'est pas venu jouer les qualifs. Il a été remplacé par Goffin, qui a perdu. Goffin, qui a perdu. Contre Sonego. Parce que en fait, Monte Carlo fait partie des Masters 1000, mais n'est pas un Masters 1000 obligatoire. Parce qu'à un moment, normalement, Monte Carlo devait dégager, ne plus être un Masters 1000. Alors, je vous avoue que je ne me souviens plus pourquoi. C'était quoi l'histoire? Pourquoi ça devait dégager? Il voulait réduire à 7, non, à un moment? Je ne sais plus, non, mais effectivement. Il y avait un truc bizarre. Ouais. Enfin bon. Et puis, bah, voilà, l'histoire du tournoi a fait que finalement, il est resté dans le One Vision de l'ATP, mais pas obligatoire. Donc ça veut dire que si les joueurs déclarent forfait au dernier moment, ils n'ont pas un zéro pointé à la fin de l'année, comme c'est le cas dans tous les autres tournois, les autres Masters 1000. Et je peux vous dire que là, les gars, ils ne déclarent pas forfait au dernier moment hein, sur les autres Masters 1000. Un zéro pointé, ça fait mal aux dents. Mais là, à Monte Carlo, ils peuvent. C'est parce que le site n'était pas assez beau, je crois. La mer n'est pas assez bleue. Ouais, on a préféré Madrid et la cage magique, c'était beaucoup plus bleu. Pourtant, ils ont rajouté du desktop de chiottes et tout ça, mais la mer n'est pas assez bleue. C'est pas assez bleu. Vas-y. On va en parler. Vas-y. Je regardais la météo à Monte-Carlo. Il y aura un petit peu de pluie, évidemment, comme chaque année, comme à chaque édition. Mais ils ont annoncé la pluie? Un petit peu, vers le mardi, mercredi, jeudi. Il y a un micro-climat là-bas. Mardi, mercredi, jeudi, ça peut être un petit peu merdique. Mais ceux qui vont y aller, et j'en ai vu déjà dans le chat qui sont allés à Monte-Carlo hier voir des matchs de qualif et des entraînements, évidemment. Dites-le nous d'ailleurs si vous comptez y aller la semaine prochaine. La fin de semaine, la fin de tournoi, quart, demi-finale, devrait se jouer sous un soleil radieux avec des températures bien printanières. Merci. Oh, t'aurais été très bon dans la météo. Je l'ai faite à la radio pendant des années, Marie, quand même. Excuse-moi. C'est vrai? Bah, bien sûr. Je ne savais pas du tout. T'as eu 1000 vies. J'ai fait 1500 météos sur Nostalgie. C'est vrai? Bah, bien sûr. Évidemment. Les températures bien printanières. Bien sûr, je ne sais pas. Je ne suis pas allée sur ta fiche. Mais printanière. Printanière, attention. On ne sera pas dans l'estival. On reste printanier. Printanière. Ah, merde. Pas assez chaud. Je détestais faire la météo. Oui, et donc, tiens, comme tu racontais qu'il faisait beau, ça vous permettra peut-être aussi d'aller voir des matchs de double à Monte Carlo, puisqu'on a encore la chance d'avoir du double. Allez-y, parce qu'il y a quand même des paires de doubles qui sont pas mal, et notamment, enfin, il y a déjà des Français, il y a Nico Mahut et Édouard Auger-Vasselin, il y a Hugo Humbert qui va jouer avec Fabrice Martin, il y a Manarino qui s'est associé à Bublik. Oula. Pourquoi pas. Donc c'est sympa pour les joueurs, les vrais joueurs, enfin les vraies équipes de double, hein, qui elles ne peuvent pas rentrer, puisque Fabien Reboul et Sadio Doumbia, qui sont en finale à Estoril, ne peuvent pas rentrer dans le tableau de Monte Carlo. Ça me dérange un peu, ça. Moi aussi. Mais bon, c'est pas grave, hein, comme ça, c'est One Vision. Les meilleurs, ils jouent, ils prennent du fric, ils sont toujours là, eux. Il y a Dimitrov qui va jouer avec Korda, Jarry avec Musetti, il y a Cerundolo et Cheveri, il y a Fritz avec Rune.
tu vois, ils s'amusent, hein, ils sont contents, ils jouent. Khachanov avec Rublev, Sinner avec Sonego. Alors là, je rigole pas parce que ça, je pense que ça commence à se mettre en place peut-être pour les Jeux Olympiques. Après, ça, ça peut être important c'est, pour c'est eux. C'est une jolie paire, hein, ouais. Sinner-Sonego. Ouais, Sinner-Sonego, c'est de la gueule. Il a une petite expérience en double aussi, quand même, mais c'est pas mal. Khachanov-Rublev aussi, ça a de la gueule. Ouais, ouais. Et là, eux, ils vont jouer, évidemment, à, oui. À mais Paris. Non. Cette bah, et... Pas sûr. Pas sûr. Pas Pourquoi sûr. Pourquoi parce que pour la première fois, c'est rarissime. Et on se dit que Gilles Simon est peut-être dans l'histoire. Daniil Medvedev joue le double. Et alors, je peux vous dire que ça, je ne sais même pas si on l'a fait. Hein. Mais ils peuvent avoir deux équipes. Ah, mais avec qui jouerait Medvedev ouais. À Paris, alors Parce que la paire habituelle, c'est Khachanov-Rublev, quoi, tu vois. Donc, Daniil. Donc là, il va jouer avec Safioline. Avec Safioline. Bah, ouais. Et pourquoi pas Safioline Pourquoi Medvedev, pas mais, pour, mais est-ce que je t'ai dit quelque chose, Printanier J'ai rien dit, moi. Donc voilà, on y va, c'est parti. Ceux qui sont arrivés au qualif. Pour l'instant, deuxième tour des qualifs, ça commence à jouer là, hein. 11h du matin, ça a commencé. Donc, il y a Hanfmann qui a battu Hugo Gaston, merci. Luca Vanache qui a perdu contre Altmaier, bravo. Il y a... C'était pas des tirages faciles hein, pour les deux. Ah oh ouais, mais enfin, merde. Je t'en prie quand même, excuse-moi. Ah bah oui, mais bon, on attend quoi d'eux maintenant? Oh bah non, Vanache. Pas forcément. Ça... Bah, là, c'est comme Arthur Fils, là, hein. ça stagne. C'est là, pas là, une contre-perf pour les deux, ils perdent contre des mieux classés qu'eux. Oh, c'est Berk. Bah, bah ouais, bah... Il y a Mounard qui a gagné, mais il n'a pas joué. Parce que Van de Zandschulp, c'était la cerise sur le Mont Rochemort, bah on ne l'a pas eu. Il n'est pas venu, lui aussi. Il n'avait pas envie. Donc, comme il n'y avait pas de joueur pour pouvoir le remplacer, bah, Mounard, il est passé sans jouer. D'ailleurs, en parlant de ça, Cazot, hier, c'était, il est forfait. Hein. Il est forfait. Ouais, ouais. Forfait. Il est bien on forfait. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Enfin, moi, j'avoue que j'ai si, pas... Si, il n'est pas... C'est physiquement blessé. Pas remis. Il n'est pas remis des fortes chaleurs. Mais pourquoi tu ris? Mais physiquement de quoi? Non, mais physiquement d'où? Tu sais ou ah, quoi non, ah non, expressément. Non, non, non. Je vais te chercher ça. Corentin Moutet a battu Alex Mikkelsen. Ça, ça me plaît. Il y a Diaz Acosta qui a étrié le pauvre Schwartzmann. Même si ça fait 6-3, 6-4, tu avais Diaz Acosta, tu avais l'impression qu'il jouait à 50%. Mais on a eu de la peine pour Schwartzmann et Tim hier, franchement. Tim. Oh là là. Allez hop. 1 et 2 contre ouais. Bautista. Mais qu'est-ce que vous en pensez, ouais. Vous six, voir Tim perdre 6-1, 6-2 contre Bautista, qui a toujours la niaque, on en ouais, parle régulièrement, mais c'est terrible. C'est terrible. Alors, ça minimise totalement ce qu'a fait Richard Gasquet à l'History la semaine dernière. Je suis désolé. Mais... Ah bah, bien sûr. Non, 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 mais c'est... 1 et 2, quoi. Mais il va arrêter. Il va arrêter. Là, il nous a prévenu. Il n'y a rien, là. Ouais, non, mais, ça, mais alors, tu vois, Rafa, alors, c'est peut-être dur, mais alors Tim, oh, mon Dieu. Parce que Tim, il joue et il perd au premier tour toutes les semaines ou presque. Hein, donc... Sonego va jouer contre Agut. C'est deuxième tour des qualifs. Sonego-Agut. C'est superbe. Ça a de la gueule, quand même. Imagine Sonego qui sort des qualifs. Ah bah oui, j'espère. Bah, on va faire nos pronos tout à l'heure, mais moi j'aimerais bien savoir, parce que là, parmi les qualifiés, il y a des mecs qui peuvent aller très très loin. Déjà, Diaz Acosta, il va falloir se le cogner. Il y a Shevchenko, notre copain qu'on ne comprend pas, là, ouais. Qui a perdu contre Correa. Il y a Nardi qui a battu Lucas Pouille. Ils ont pris cher, qui les Français. Il commence contre Muller, là. Ah, il y a une balle de break dès le premier. Ah, ça y est, là ouais, ouais. Balle de break dès le premier jeu, pour ouais. Et Muller qui a battu Lajovic, quand même. Ça, c'est... on a... Hier, j'annonce le truc en disant il y a Fabio Fognini, Lajovic. Lajovic, il perd au premier tour et Fognini vient pas. Super. Et Rinderknecht qui a battu Hugo Nyss. Enfin, on va se calmer parce que ça. Et Rinderknecht va jouer contre Correa. Ça a commencé. Ça a commencé, ouais. 1-0 Correa. On a Correa, Rinderknecht, Diaz Acosta, Nagel, Hanfmann, Mounard, Muller, Nardi qui sont en train de commencer. J'avoue bon. Être extrêmement jaloux de ceux qui sont actuellement dans les tribunes de Monte-Carlo pour assister à ces matchs-là. Un petit dimanche sympa, c'est... Ouais, c'est pas mal. Petite ouais. Pensée, petite pensée. Pour c'est ouais, qui, ouais, pour les enfoirés qui sont là-bas. Et puis sinon, alors attends, tu m'écoutes bien, hein, parce que tu vas me dire que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu veux pas... Non, c'est pas vrai, je vais dire que c'est pas vrai. Historiquement, tu vas me dire que c'est pas vrai. Ah. Djokovic, normalement, hein, normalement, Djokovic... a battu, là, le record du joueur le plus âgé à être numéro un mondial. Ah oui, oui. Ah bah oui. Ah oui. Ah bah oui. Il a quoi? Il a 36 ans. Il a 36 ans et 321 jours. Et en fait, le dernier, c'était Federer. Bah oui, mais Federer... Qui avait 36 ans et 320 jours... Mmh. La dernière fois qu'il avait été numéro 1 mondial en 2018. Encore un record dans la sacoche. Encore un. Dans la tronche. Et puis, vite fait, parce que ils y sont, circuit secondaire. Enzo Cuoco est en finale à Florianopolis. 186e mondial pour l'instant, grâce à cette place de finaliste. Il a mis quand même 2 et 4 à notre jeune joueur Gianluca Maggier. Et il va jouer contre, on s'attendait à Hugo Carabelli. Eh ben non. C'est le petit Brésilien, là. João Lucas Reis da Silva, 318e mondial. 24 ans, ouais. Incroyable. Les jeunes va... brésiliens, là. Tu m'étonnes, ils sont en feu. C'est un truc, hein. Donc, Cuoco,
il peut s'en faire un, bravo. Il y a aussi Harold Maillot qui est en finale pour peut-être gagner son premier challenger. Alors, il est, pour l'instant, il est, on va parler de Roland-Garros la semaine prochaine parce qu'il y a le classement qui va déterminer les entrants directs. Il est tout juste derrière pour l'instant, Maillot. Il ne sera pas dans le grand tableau, ça va être compliqué, même s'il gagne. Oh, mais Colif, Colif. Ah non, non, non. Enfin, pour moi, il est 119. S'il gagne ce challenger. Mais là, il est 119. Oui, oui. Ah non, mais ah non, il ne sera pas qualifié pour le grand tableau, ça va être compliqué. Parce que même si non, 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 les qualifs, pour les qualifs. Mais il aura la wildcard grand tableau, je pense. Ah, tu crois? Tu gagnes un challenger sur terre battue. Attends, 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 il est en finale. Il est en finale, il joue une finale. Il est en finale. Si jamais il gagne, je dis. En plus, c'est qui les Français qui sont les premiers non entrants directs? C'est Gasquet. Ah ouais. Qui risque peut-être d'avoir la wildcard si jamais il dit que c'est son dernier, etc. Alexandre Muller, qui est plutôt en phase descendante en ce moment, lui, ça se discute, mais c'est Maillot, il est troisième. Pour l'instant, il est troisième. C'est le troisième Français derrière le cut. Et s'il gagne, s'il a un challenger dans son escarcelle, je pense que la wildcard grand tableau, elle n'est pas loin. Enfin, voilà. Ce serait bien. Bah oui. Merde, il fait une super saison. Et puis, on attendait Maxime Janvier, mais il a perdu en demi-finale à Mexico contre Galarno. Galarno qui va jouer contre Tirante, l'Argentin. Ouais. Tête de série numéro 1, balèze. Balèze. Celui-là, il ne faut pas l'avoir dans les pattes quand tu joues sur terre battue. Voilà, Marie. Merci, Benoît Mélin. Super Daily Mail, très complet. Nous allons pouvoir passer maintenant aux analyses des finales du jour. C'est parti au cahier. Les lumières se sont éteintes sur le plateau. C'est le moment où on tabise, Marie, parce que c'est le moment où on parle des finales. C'est ça. On va commencer par Estoril, les gars. Martinez a créé la surprise hier soir entre Franck Casper, 8e mondial, au terme d'un combat de plus de 3h06 exactement. Et en finale, l'Espagnol affronte Hubert Hurkacz, 10e mondial. Le Polonais a toujours battu Martinez, dont une fois sur terre à Monte Carlo en 2023, 3-7. C'est une première finale sur terre pour Hurkacz. Exactement. Qui a quand même 9 finales et 7 titres. Martinez, lui, c'est sa 3e finale, la 3e sur terre. Il a un titre à Santiago en 2022. Il ne part pas Fabo, Martinez, face à Hubert Hurkacz à 1,48. Tous nos parieurs vont partir sur le Polonais. Julien Pichet. Je partirai aussi sur le Polonais. Ça fait drôle, c'est vrai, de voir Hubert Hurkacz en finale à Estoril. Il faut presque se pincer pour le croire, déjà. Non, mais bravo à lui, parce qu'il est venu disputer son premier tournoi sur terre très, très tôt. Il aurait pu attendre Monte Carlo, tranquillement, voire même Barcelone ou Madrid. Mais non, voilà, il a décidé d'être là très tôt. Donc, bravo à lui d'avoir pris cette semaine très au sérieux. C'est une semaine de préparation, on l'a dit. Voilà, c'est pas son objectif principal, mais ça pourrait le devenir. Là, il est en finale. Et c'est vrai que pour lui, gagner le tournoi d'Estoril, ce serait une super perf. C'est un gros tournoi. Il y avait énormément de spécialistes de terre battue sur la ligne de départ. Il se retrouve en finale face à Martinez. Donc, bravo. Déjà, bravo. Moi, je le vois favori, effectivement. Il y a un 48. On va vous afficher les cotes. Il y a plein de raisons déjà que t'as citées que je peux reprendre. Le match de Martinez qui a duré 3 heures, qui s'est terminé, il faisait déjà nuit hein, quand Martinez a réussi. Ça a été dur hein, d'ailleurs. Hein, enfin, il mène 5-2, il s'en sort. Enfin, les derniers jeux ont été très très longs. Bravo à Martinez qui a fait c'est une énorme perf. Bon, alors s'il se tape Rude et Hurkacz en moins de 24 heures, là ce serait encore plus qu'énorme pour lui, mais j'avoue que j'ai du mal à y croire. Et Hubert contre Garin a été très bon, c'était un match très difficile. Il a son service, il a son deuxième coup de raquette qui sont extrêmement puissants et des armes, même sur terre battue, extrêmement, extrêmement sérieuses. Il peut glisser des petits services volés, il l'a fait hier contre Garin. Je ne vois pas Hubert perdre contre Martinez, qui est un très bon soldat sur terre battue. Mais qui a peut-être laissé quelques plumes hier soir. Oui, et puis même si c'était en demi, j'aurais vu aussi Hurkacz. Hein. Benoît, on est d'accord, on part sur le Polonais comme Julien Pichenet, comme nos parieurs, et comme sur le chat, je crois que la majorité je sais ce qu'il va dire. Va aller sur Hubert Hurkacz. Il va dire le 7 de Martinez. Bah oui. Le set de Martinez? Ils sont joués déjà ou pas? Ouais. C'est pour ça, parce que Garin, il le connaissait pas, le Hubert. Et son service, là, c'est vrai que quand tu le connais pas, il fait mal. Hein. C'est pas des joueurs que tu... Enfin, Hurkacz et Garin, Hurkacz et Martinez, en général, ils jouent rarement les mêmes tournois, si tu veux, donc c'est pas étonnant qu'ils se soient pas du tout, voire très peu affrontés. Bon, ils se sont joués plusieurs fois, hein. Deux fois. Martinez et Hurkacz, ouais. Deux ou trois fois. En tout cas, une fois sur terre. C'est pas énorme. Hein. Mais Martinez, après Casper Ruud, il m'emmerde. Parce qu'il le perd tout. C'est lui qui le perd, hein, ce match. Parce que Martinez, ok, il joue bien, mais enfin bon, il attend. Alors après, il sort, là, c'est quoi, à 4-1 dans le troisième set, où il va se faire soigner, là. Je sais pas ce qu'il avait. Mais... Quand il est comme ça, là, derrière sa ligne de fond, à renvoyer... En plus, il le sait, il le dit dans ses déclarations qu'il ne faut pas qu'il joue comme ça.
Et le mec, il est en demi-finale contre Martinez, où justement, c'est le genre de mec qu'il faut que tu ailles chercher, mais il n'y va pas. Moi, je comprends pas. Donc, il perd en combien vous avez dit 3 heures, plus de 3 heures. 3 heures. Donc, ça y est, Rude n'a plus de titre. Il ne détient plus de titre parce que c'était son dernier titre qu'il avait encore. Marie. La voie est libre. Non, non, mais bah oui, oui, mais je suis. Donc, il perd de place. Il sera dixième lundi. Ça m'a vraiment étonné cette défaite de Rude. Hein. Je m'y attendais pas. J'ai perdu mon combo à cause de ça. D'ailleurs, c'était que du 1-17. Ça m'apprendra. Tiens, je me fous une claque dans la gueule. C'est bien mérité parce que c'est effectivement pas assez. Et c'est pas faute de m'avoir prévenu hier. Vous avez tous dit que c'était pas assez, que ça servait à rien de le mettre. Ça m'apprendra. Mais Martinez, il peut l'emmerder. Hein. Oui. Gagner, je sais pas. 3 heures contre Rude, ça se termine. Mais c'est rien pour ces mecs-là. Oh, rejoins top 10 le lendemain. Mais c'est pas Hubert, tu sais pas Casper Rude. Le mec, il t'envoie des sacoches. Ouais. Tu sais qu'au bout de 4 frappes, normalement, il va tenter quelque chose. Tu pars pas dans un combat. Mais Martinez, mais il est. 1,50. Ouais. Je crois que même sa mère, quand elle a accouché, ça a duré 3 jours. C'est un mec habitué à combattre. Quoi. Après, je ne sais pas s'il faut en tenir compte ou pas, moi je pense que oui, mais les statistiques du Berger Cash en finale, elles sont dingues hein, quand même, tu l'as rappelé Marie. Mais c'est une première sur terre. 7 titres en 9 finales, mais ça fait quasiment 70% de réussite en finale, c'est costaud. Quoi. Martinez, c'est du 100%. Oui, mais il en a joué beaucoup moins. Bah ouais, mais écoute. Ouais, mais c'est pas. Même s'il était en finale, c'est pas sa surface sur laquelle il peut s'appuyer. Il a son service, hein, bien sûr, heureusement, il a ses services qui l'aident à être vraiment. Super puissant, quoi. Ah, ce serait drôle de voir Urkash au palmarès d'Estoril. J'avoue que là, c'est surprenant. Mais tu y crois, en plus, c'est 1,48. Et Benoît, donc toi, ce sera le 7, simplement, de Martinez. Sinon, c'est pas drôle. Nous allons partir maintenant à Marrakech, où Carbales Baena, tenant du titre, affronte Matteo Berrettini en finale. Première sur terre entre les deux joueurs. Leur dernier duel remonte à Naples sur dur en 2022. Match remporté par l'Italien, Carbales Baena qui a remporté toutes les finales qu'il a disputées. C'est comme Martinez, hein, il en a d'ailleurs, pas joué. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise sur Martinez, il n'a qu'un titre à Santiago. 1 sur 1. Ouais. 1 sur 2. 1 sur 2. Bah ouais, il a deux finales, il a un titre. Il a 50%. Mais en fait, j'ai confondu avec Carbales Baena, qui lui a remporté toutes les finales qu'il a disputées. Deux finales, et deux sur terre. Dans une à Marrakech. Et une à Marrakech l'année dernière. Ah oui, Quito, ouais. En 2018. Berrettini a beaucoup plus d'expérience, hein. 12 finales, 7 titres. Le dernier qui remonte au Queens en 2022. Il a gagné d'ailleurs ses deux premiers titres sur terre en carrière, Stade 2018 et Budapest 2019. Ouais. Donc ce serait symbolique de renaître avec une troisième. Ah, mais ce serait. Un troisième titre sur terre. Ce serait extraordinaire de le voir gagner. C'est symboliquement beau. C'est peut-être juste entre guillemets 250, mais déjà il y a du monde en face. Hein. Il ne bat pas des joueurs de quatrième plan. Ce Navonnet hier a défendu crânement sa chance et ce serait une victoire sublime pour Matteo Berrettini pour se remettre dedans. Déjà il revient dans le top 100. Ça c'est bon, c'est fait. Et là, couronner ce retour par un titre à Marrakech en battant Carbales Baena après avoir battu Navonnet, c'est des vrais soldats de la terre battue, ça. Ce serait vraiment sublime. Moi, je vais faire le combo Urkash-Berrettini. Je vais jouer sur l'expérience, sur le fait que Berrettini, évidemment, a un fond de jeu plus fort, plus costaud, plus solide que Carbales Baena. Ça va être aussi très, très dur. Mais ouais, ça peut être. C'est dans l'enchaînement des matchs qu'on peut se poser des questions. Voilà, là, il enchaîne. Il a sacrément joué en l'espace de trois semaines, Berrettini, alors qu'il n'a pas joué du tout en compétition, en tout cas, les mois qui précèdent. À donc, Phoenix. Comment ça va se passer? Hier, le fait de l'avoir vu perdre le premier set contre Navonnet et s'en sortir finalement en 3-7, ça indique aussi que, voilà, mentalement, physiquement, tout est en place. Quoi. Donc, il y a le service, comme Urkash, il y a le service. Il varie mieux encore qu'Urkash, même si dans le tout petit jeu, dans les tout petits détails, c'est un joueur tellement puissant que c'est pas le joueur le plus fin non plus de la Terre. Mais bon, voilà, il sait varier, il sait sentir le jeu sur terre battue très très bien. Donc, voilà, mais ça va être sans doute très très dur. Donc je vais sur Berrettini en plus de 20,5 si on veut faire le combi là-dessus, voilà. Berrettini et Urkash vont gagner dans la douleur, en laissant quand même pas mal de jeux à leurs adversaires. 44, le plus de 20,5. Benoît, Mélin, pareil? Non, je ne sais pas. Mon combo, c'est les 7. Les 7. 7 de Martinez et 7 de Baena. Berrettini, ce n'est pas du tout acquis. Alors ça, j'avoue qu'il va peut-être commencer à avoir mal aux jambes. Ah, c'est possible, ouais. Mais là, il est revenu dans le top 100, ce qui est déjà complètement fou. Le mec qui disait qu'il ne se souvenait même plus quand il avait joué sa dernière finale et qu'il était quand même un peu cuit. Et bon, c'est un mec. Il me fait peur à chaque fois.
Mais son jeu est quand même très stéréotypé. Hein. Alors d'accord, il varie parce qu'il a un revers slicé, mais enfin, sur terre battue, il fait... Enfin, sur terre, de toute façon, partout. Après, il est tellement puissant. C'est ça. C'est très compliqué, mais... Ce n'est pas la qualité Baena... première de Carbaez Baena. Ah bah, pas du tout. Payer Baena aussi, hein. Tu te dis, mais... Comment ce mec-là arrive à, tu vois, gagner, peut-être Baena, gagner c'est... deux fois d'affilée Marrakech. Baena et Martinez, c'est à peu près le même profil. Hein. C'est le même type de joueur. Je trouve que même Martinez est plus puissant, quoi. Oh, Baena, t'as l'impression que ça n'avance pas, quoi. Une espèce de gros coup, là. Un fleuret moucheté, ouais. Mais bon, moi, ouais, je me dis que, voilà, il va l'emmerder, quoi. Le set de Baena pour Benoît Bélin. Je ne suis pas sûr de Berrettini, là. J'ai un petit peu de temps pour lui, quand même. La victoire de Berrettini pour Julien. Berrettini aussi, pour ceux qui... S'il gagne, il se retrouvera 84e. Là, il est 95. Mais voilà, s'il gagne 84, c'est bien aussi, hein, ça t'ouvre... beaucoup plus d'opportunités. Direction Houston maintenant, avec la finale 100% américaine entre Shelton et Tiafoe, tenant du titre, première sur terre. Ils se sont joués une fois à l'US Open l'an dernier, victoire de Shelton. Tiafoe qui compte 3 titres sur cette finale disputée, dont une sur terre, Houston, l'an dernier. Shelton, deuxième finale en carrière, et la première sur terre. Sacrée victoire contre Echeverry. Bon, il a des ampoules partout, hein. Il s'est mis des petits pansements au pied hier, tout ça, ça a commencé à frotter un petit peu. La terre battue, enchaînée. C'est la première fois de sa vie qu'il va... Ça y est, Benoît me regarde. Il me regarde sourire, parce qu'on parle de Shelton qui est en finale à Houston. Et puis, il lève les yeux au ciel. Ah oui, il lève les yeux au ciel. Non, je dis plus rien. Non, non. Mais dis-nous. Mais je l'ai vu perdre toute la semaine, Shelton. Et là, je le vois en finale, donc c'est... C'est un flip. On va aller chercher. Tu préfères ne pas y croire? Ah ben déjà, je trouve que c'est une affiche formidable. Il a signé hier, qu'on le veuille ou non, contre Echeverry, qui était peut-être effectivement un petit peu gêné par son début de semaine. Enfin bon, il n'avait pas l'air, il n'a pas fait un match énorme, hein, Echeverry, loin de là. Mais bon, c'est pour Shelton sur terre battue, une très très belle victoire. Sur terre. Sur terre, bien sûr. Tu l'accordes, ça. J'ai dit sur terre. Bien sûr, sur terre. Et en plus, il perd le premier set. Encore un match... De plus, que Shelton gagne après avoir perdu le premier set. Ouais. Et ça, je trouve ça toujours très intéressant de voir. Quand tu cumules les matchs gagnés après avoir perdu le premier set, c'est vraiment... C'est Medvedev qui aimait bien ça. Voilà, Medvedev, il y en a plein aussi dans sa caboche, des matchs comme ça. Donc voilà, bravo à Shelton, qui en fond de cours a été assez solide, qui faisait le jeu tout le temps, voilà, service volé quand il faut. Le service est là aussi pour l'aider. Parfois, il passe complètement à côté de ses jeux de service, comme quand il break Echeverry d'entrée dans le troisième set, derrière, il s'auto-débreak même. Voilà, contre Tiafoe, ça va être un match particulier. Là, on n'est pas du tout sur des joueurs qui sont des terriens, mais j'ai peur que Tiafoe l'enchaînement... Tiafoe a un titre sur toi, quand même. Ouais, mais Tiafoe, il a surpris contre Dardéry. Ils se sont fait courir dans tous les sens, là, dans la deuxième demi. Ça a été... Voilà, alors je ne dis pas qu'on a retrouvé Tiafoe, hein, parce que le chemin est encore très très long, mais ça va lui faire du bien, cette finale à Tiafoe, tenant du titre, tu l'as rappelé, Marie, j'aurais tendance, et je vais encore donner une fois de plus... À partir sur peut-être un peu plus d'expérience côté Tiafoe. Shelton perdant, mais... Son jeu peut-être plus... D'expérience, je ne sais pas, mais la confiance... Il colle mieux à la terre. La confiance, elle est peut-être du côté Tiafoe de Shelton. Ouais, qu'un Shelton. Tout petit peu. Au niveau de l'expérience, oui, c'est sûr. Un tout petit peu, mais hier, j'ai trouvé qu'ils bougeaient bien contre Dardéry. Ils se sont fait courir dans tous les sens. Ça a été un bon match vraiment pour Tiafoe, peut-être un de ses meilleurs matchs de l'année, ce qui n'était pas dur parce qu'il n'en a pas joué beaucoup, des matchs intéressants en 2024. Pour l'instant, Tiafoe, mais j'aurais tendance à aller très légèrement c'est un flip. Hein. Sur Tiafoe. Ah bah, c'est très compliqué. Ou alors, peut-être partir sur le nombre de jeux. Effectivement, le nombre de jeux, parce que c'est des joueurs qui... On peut penser qu'il n'y aura pas énormément de break. Bon, alors, le plus de 21,5 à 1,31. On s'y attend au match. On s'attend à des 7-5, à des 7-6, etc. Mais Benoît, tu as la même lecture de ce match-là? Très légèrement sur Tiafoe. Mais, vache. Shelton, quand même, il faut aller le chercher. Hein. Putain, quand je dis... Puis il fait quand même n'importe quoi, hein. Il est fou. Il y a Jules qui nous rappelle quelque chose effectivement de très intéressant. Fritz, on le sait, va remettre en jeu les points de sa demi-finale de l'an dernier à Monte Carlo. Et Shelton, pendant ce temps-là, est en finale à Houston. Dans quelques jours, il est possible qu'on change de numéro 1 américain, Marie. Ça peut même arriver dès aujourd'hui parce qu'il joue contre Musetti ce soir. Ouais. Shelton peut être numéro 1 américain, effectivement. Benoît, Shelton Tiafoe. Je sais pas. Je sais pas du tout. Shelton joue comme si c'était pas de la terre. Quand tu le vois se déplacer, t'as peur.
C'est vraiment, je ne sais plus qui disait ça, c'est vrai que le Sampras, genre Sampras sur Terre, ça me fait penser à ça. Il ne glisse pas. Ouais, Sampras, au début de sa carrière sur terre battue, c'était assez catastrophique. Ouais, c'était effrayant. Mais Tiafoe... Shelton se sent un peu mieux, quand même. J'avoue, je ne les voyais pas, enfin, je ne voyais pas Tiafoe taper Dardéry, quoi. On ne sait pas du tout sur ce match-là, sur cette finale. Qu'est-ce qu'ils disent, c'est partagé aussi, hein, regarde, c'est comme les codes, c'est très partagé. Tiafoe pour la confiance, Shelton... Très dur à lire, c'est vrai que Shelton peut faire n'importe quoi des fois, ouais. Il y a des fulgurances et effectivement des fautes énormes, c'est un mix de tout ça, mais pour l'instant, le mix est plutôt positif, il fait plus de belles choses que de fautes énormes, et la preuve, il est en finale. Leur tête-à-tête, c'est quoi ? Bah l'US. Il y a ce match. Il n'y a que l'US. Il y a ce match. Le 3-7-1 Shelton la dernière. Ce match a un goût de revanche pour Tiafoe qui avait très mal vécu cette défaite en quart de finale. Ils sont très copains, ils sont très amis. Hein. C'est pour ça aussi que le match est étrange. Mais Tiafoe avait mal vécu cette défaite contre Tiafoe lors d'un match extrêmement serré en 4-7. Effectivement, 7-6 au quatrième en quart de finale à l'US Open. Donc je pense que Tiafoe, même si ce n'est pas le même enjeu, là, on n'est pas dans un quart de grand chelem, mais Tiafoe a très envie de prendre sa revanche. Donc je donnerai un léger avantage à Tiafoe, même si je crois que les parieurs vont plutôt en masse sur Shelton. Ouais. Majoritairement sur Shelton, ouais. Les parieurs. C'est beaucoup plus partagé pour ceux qui nous suivent. Il y a Only qui nous dit Shelton en deux. Ça, c'est... Alors, pour pronostiquer un 2-7 sur ce match, wow, alors, et le 7 de Shelton, tout comme le 7 de Tiafoe d'ailleurs, ouais. C'est 1-28. Hein. Ouais, ouais, ou 3-7 gagnants, ou Tiafoe vainqueur en 2. J'avoue que c'est. Attends, t'es parti dans tous les sens là. Mais oui, parce que comme. Mais non, mais. En 2 ou 3-7 c'est impossible à savoir, je trouve. C'est... Je vois pas en quoi leur jeu. Qui va prendre l'ascendant, quoi. C'est tellement. C'est un peu incompréhensible leur tennis là à l'heure actuelle, hein, tous les deux. Donc ils vont se foutre des pains dans la. Il va y avoir le show. Ça se joue peut-être dans des tie-breaks, hein, cette histoire. Tiafoe, bon, qui est tenant du titre, peut-être qu'il va y avoir un petit truc. Enfin, en tout cas, il faut qu'il arrête de faire des petites claques comme ça au ramasseur de balles là, quand il l'aide à le relever, parce que ça a failli se terminer en chabit, hein, la dernière fois avec le ramasseur de balles. Ouais. ça aurait été un petit peu bizarre. Mais je sais pas, sans rire, je sais pas. Bon, nous allons parler à Charleston, où j'espère Benoît Mélin sera plus inspiré. C'est vrai, tu vois, il disait le kick de Shelton est intéressant sur Terre, tu m'étonnes. Et encore, et là, c'est pas une terre battue qui est très... qui prend vraiment le rebond, quoi. Donc s'il fait des kicks comme ça, par exemple, à Madrid... Son service à gauche, il est terrible. Côté avantage, il est, quand il sert extérieur, c'est terrible. Je ne vois pas comment ils vont faire, les mecs. Hein. Charleston, Kazatkina peut-elle priver Collins d'un deuxième titre consécutif. Elles se sont jouées trois fois. 2-1 pour Kazatkina, qui a remporté leur unique duel sur terre à Rome en 2018. Collins, 1-32. Mais non. Nos parieurs y vont. Ils y vont. Alors, bah oui. Non, on l'a elle fait. Le fait. Pour vous, elle le fait. Ça fait 15 ans qu'on se dit que Collins va peut-être être fatigué ou... Voilà, ça va planter un moment, mais là, écoute, allez, en finale, allons-y. Attention à Kazatkina. Allons-y, bien sûr, mais c'est drôle, ces cotes, hein, la différence qu'il y a. Bah, elle est quand même en chaleur, Collins. Je sais bien, mais... à Miami, là, elle se fait une finale... 3-15, quoi. Et 1-32. L'histoire est magnifique, nous dit Tony. C'est clair, elle est en forme, Daniel Collins, 1-32, nos parieurs y vont, Julien y va. Ah, oui, oui. Si elle gagne, elle est 15e mondiale. Non, mais dingue. Mais c'est dingue. Mais elle était combien avant Miami? On a ça en tête ou pas? Avant Miami, 21. Ah, avant Miami, ouais. Mais non, elle était 53, voilà, je crois, ouais. Comme ça. Ça peut faire 53-15 en l'espace de 3 semaines. Bah là, elle est quasiment sur 18. Elle est top 20. Et Kazatkina, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait, Kazatkina? C'est quoi ce match de dingue contre Pegula? Non mais merde, quasi 3 heures. Une folie, 7-6 au 3ème, j'ai adoré. Alors qu'elle ne l'avait jamais battue. Kazatkina qui bat Pegula. Bon, ok, d'accord, peut-être que la Pegula était un peu fatiguée, vu qu'elle avait sauvé 4 balles de match avant contre Azarenka. Bah, Laurent nous dit que Kazatkina vient d'enchaîner quand même 2 matchs de quasi 3 heures. Ah ouais? Ouais, ouais, contre Christiane, c'était fou. Le premier tour, son premier match, en fait, parce qu'elle était tête de série contre Kruger, pareil, elle perd le deuxième set, 6-0, j'ai pas compris. Et là, elle est en finale contre Collins, Madame Lecter. Collins. Ben on non, peut aller chercher le set de Kazatkina ou peut-être le nombre de jeux. Oh, l'autre, elle va le lui set rentrer, de Kazatkina, mais elle va lui rentrer dedans, l'autre. Elles se connaissent, hein. Oui, oui. 1,78, le set de Kazatkina. Parce qu'elle lui met quand même 3 et 3, Zachary. Hein. Elle lui fait mal, hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Le plus de 19,5 à 1,56.
Ils sont aussi perdus que toi. Non, ça va plutôt sur Collins dans le chat. Tout comme nos parieurs qui vont sur Collins. Donc Benoît, est-ce que le manque de puissance de Kazatkina... Oh, elle est maligne, hein, elle est maligne cette petite. Elle bat quand même Pegula, quoi. Elle a envoyé du lourd. Et Kazatkina, on s'en souvient plus parce que c'était il y a une éternité, mais elle a gagné ce tournoi en 2017. Donc elle aussi, elle s'est jouée. On sait qu'elle s'est jouée sur terre battue. Elle est très intelligente. Elle sait s'en prendre plein la tronche et continuer. Elle sait être agressive quand il faut. Là, tu veux de la variation de jeu ? Bah, Kazatkina, c'est génial, quoi. Est-ce qu'elle peut dérégler une Collins ? Ouais, bien sûr. Parce que Collins, à un moment, pas possible. Elle va pas se faire Miami et Charleston. Puis pourquoi pas Roland-Garros pendant qu'on y est ? Non, mais oh ! Je sais pas. On repassera cet extrait juste après sa victoire à Roland Garros. On va récapituler pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, Julien Pichenet, qui a vu clair aujourd'hui, va donc sur Urkatch, victoire à Estoril. Marrakech. T'as déjà vu les matchs ou quoi ? J'ai tous les résultats en avance. C'est pour ça que je vous dis comment elle sait. Elle co-scénarise la saison. C'est ça, exactement. Marrakech, tu vas sur Berrettini, victoire de Tiafo, mais très disputée à Houston. Et Collins à Charleston. Benoît Mélin, lui, le 7 de Martinez, le 7 de Baena. Il ne sait pas sur Shelton Tiafo. Et Kazatkina Collins, tu ne sais pas non plus. Le 7 de Kazatkina. Le 7 de Kazatkina. Non, j'avais pas vu les codes, pardon. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr qu'elle a tout ce qu'il faut pour lui prendre un 7. On va donc parler maintenant, parce que dès demain, on va basculer en mode de Monte Carlo et on va vous livrer nos prédictions pour cette édition 2024. Oh là là, c'est l'heure de nos tableaux et ensuite, on fera les 4 premiers tours du jour, évidemment. Donc, nos prédictions des 8e jusqu'à la finale avec le nom du vainqueur, s'il vous plaît, messieurs. Mon Dieu. Et on part loin, on part en 8e. Hein. Absolument, personne ne sera d'accord avec mon tableau. Hein. Mais ni autour de la table, ni sur le chat, nulle part. Mais c'est pas ce qu'on t'a demandé, qu'on soit tous d'accord avec toi. Ouais. Moi, je veux ton histoire. Donc, le premier huitième, c'est quoi ? Alors, le premier huitième. Attends, il cherche sa fiche. Ben non, je regarde. Oui, parce que j'ai ma fiche et j'ai le tableau. Tout n'est pas... Moi, j'ai pas de papier, tout est sur téléphone. Toi, t'as tout imprimé. Moi, je n'ai plus d'encre dans mon imprimante, donc ouais. Un petit peu de respect. Novak Djokovic. Tu l'as mis dans les cheveux, l'encre. C'est pas possible, il a les cheveux noirs. T'as vu comment il a les cheveux noirs ? Bon, je pareil. Hein. On est sur Novak Djokovic. Il est beaucoup plus vieux. Oui. Beaucoup plus, je suis beaucoup plus vieux que Benoît. Non, que Marie. Ah bah, bien sûr. Évidemment. Alors, premier huitième. Novak Djokovic, évidemment. Contre ? Eh bien, il y a Fritz Musetti tout à l'heure. Je ne vois pas Musetti battre Fritz. Je suis désolé. C'est un gros match, c'est un gros premier tour entre un demi-finaliste sortant et un quart de finaliste Quelle sortant. Quelle surprise ! Je ne vois pas Musetti battre Fritz. D'ailleurs, je ne pense même pas que Musetti regagnera encore un match d'ici la fin de la saison. D'ici la fin de sa carrière. Oh là là. Donc, je ne pense même pas être trop loin de la réalité en disant ça. Sérieusement, Djokovic-Fritz, c'est mon premier huitième. Je te suis. Oh ouais, pareil. Vache. Deuxième huitième. Attention. Hein. Marie, tu crois en Musetti ou pas ? Only Shade Drops croit en Musetti, c'est ça le plus important. Djokovic-Musetti sur YouTube pour Only Shade Drops. Ouais, mais Vincent L, qui a un niveau d'expertise quand même affirmé depuis qu'il nous suit, et il dit Djokovic-Fritz. Bien sûr. Gothix sur YouTube, qui a un niveau extraordinaire, nous dit Musetti va gagner. Ah merde. N'oubliez pas que pour beaucoup, ce sera le premier tournoi de l'année sur terre battue. Pour beaucoup de cadors, pour beaucoup de gros bras. Et que voilà. Il y en a que j'ai fait perdre assez tôt. Je préfère vous prévenir. Je mets une petite mention. Âme sensible, il y a des cœurs qui vont s'arrêter de battre. Il va y avoir des si vous êtes en train de manger, de prendre votre café, vous allez peut-être recracher votre liquide de votre bouche dans quelques instants. Attention, pour l'instant, ça commence soft. Les surprises ne sont pas encore arrivées, mais il va y en avoir. Et je ne tolérerai aucun colibé. Colibé. Aucun. J'adore ce mot. Aucun, mais vraiment aucun. Aucun colibé. Parce que moi, vos pronos de merde... Mais printanier. Moi, j'aime bien le colibé printanier. Quand vous faites des pronos de merde, je ne dis rien. Je ne dis rien. Donc, j'aimerais que ça se passe dans les deux sens. Ah, Nicotine, il voit Musetti gagner Monte Carlo. Non. C'est un bon Nicotine. Alors, deuxième huitième de finale. Mais c'est pas vrai, tu ressors ta fiche à chaque fois. Bah ouais, alors. On fait durer le suspense. Oh, le blanc. Deux mineurs. En podcast, les blancs, ça passe pas. Hein. Deux mineurs en huitième de finale. Ils jouent Wawrinka au premier tour, mais pour Wawrinka, ça va être trop compliqué. Grigsburg-Kupfer, ça n'existe pas, c'est au deuxième tour. Deux mineurs face au tenant du titre, Andrei Rublev. Je te suis. Voilà. Ok. Troisième huitième de finale. Il nous a prédit un tableau de dingue. Ça commence. Il me sort deux huitièmes. Ensuite. Très pichené. Ça se trouve, c'est un teasing pour rien que j'ai fait. Ah ben, on sait pas. Tu sais pas. Tu verras. Alcaraz.
qui va jouer Félix Auger-Aliassime pour son premier match, possiblement, ou un qualifié. Oui, c'est possible. C'est pas la même chose. C'est pas Sonego, par exemple, c'est pas la même chose. Mais je mets évidemment Alcaraz quand même en huitième de finale. Attention, attention Alcaraz à Monte Carlo. Je sais qu'il n'a jamais bien joué là-bas, mais attention à lui. Et là, j'ai mis Hugo Humbert, pareil, parce qu'on ne sait pas quel est le qualifié qu'il va jouer au premier tour. Mais pareil, s'il joue un Sonego, un Hardy, je ne sais pas si je verrai Hugo Humbert passer. Donc je mets Hugo Humbert avec un point d'interrogation, parce qu'il y a le qualifié dont on ne connaît pas encore d'identité. Oh, bah, attends. Bah, elle est belle l'histoire. Alcaraz, Humbert. Mais il a le même. Non, bah, si tu... bah non. T'as le même. Non, moi je mets Alcaraz contre un qualifié. Je pense pas que Hugo arrivera sur Alcaraz. Ça dépend quel est ce. Si c'est Rinderknecht, tu vois, je pense que Hugo s'en sortira. Moi je mets un qualifié contre Alcaraz. Bon, ok. Ensuite. Nous t'attendons, Julien Pichenet. Ouais. Je suis obligé de combler les blancs. Ensuite, je mets Rude, Casper Rude, contre un qualifié. Pourquoi un qualifié ? Parce qu'on a Urkash. L'enchaînement Estoril Monte Carlo, Marie, tu me regardes déjà. Ou un lucky loser. Ouais. Puisqu'il y a un lucky loser qui va remplacer les HK là. Exactement, parce qu'après on a un lucky loser, un qualifié, donc on ne sait pas. Donc je mets un qualifié ou LL face à Casper Ruud dans ce huitième de finale. Pareil. Ok. Ensuite, je mets Alexander Zverev. Ouf. Non pas contre Tsitsipas, qui va jouer Djere au premier tour. Je ne sais pas ce pauvre qui va battre... Mais tu m'as fait sortir Tsitsipas. Mais contre... bien sûr. Contre Djere. Contre Jarry. Jarry qui va accueillir Etcheverry à l'aéroport. L'autre, il va être cramé, là. Il a fait la connerie de jouer à Houston, donc j'y crois pas du tout. Jarry bat Etcheverry, et Jarry bat Djere ou Tsitsipas derrière. Et Jarry, Zverev en huitième. Zverev contre Tsitsipas. C'est pas possible. J'ai toujours pas compris. Pas de Colibet, t'as dit. Enfin. Après. Ensuite, il y a Khachanov. Putain, il a la vitesse de réaction on dirait 22 ans de school. Serundolo, Medvedev, allez. Serundolo, Medvedev, allez, voilà, j'y vais. Serundolo, Medvedev, pareil. Non. Si. C'est fou, ça. Ensuite, Runeux, Dimitrov. Pareil. C'est après que les surprises. Mais où t'as surprise ? Bah oui, parce que je ne les vois pas, ta surprise. Il n'y en a aucune. Mais attends, les huitièmes. Dernier huitième. Baez, Sinner. Pareil. Ben ouais. On a le même tableau, c'est dingo. Non, mais après. C'est après qu'on aura parlé. Alors, après. Djokovic, Rublev, évidemment. Ah, non, moi, Djokovic, demi-nord. Demi-nord par Rublev ? Ouais. Sur terre battue ? Ouais. À Monte Carlo ? Ah oui. Ok. Alors, Rublev, il en met plus. Ok. Ensuite, Alcaraz, Rude. Pareil. Rude qui n'aura pas de problème d'enchaînement, lui. Ensuite, c'est là que. Hein, la fiche. Rude. Bah, il joue pas à Houston. Non, Estoril Monte Carlo, Paris, c'est pas. Rigole, il le fait en vélo. Souviens-toi, Thomas Muster, il le faisait tous les ans. À pied, en plus. Oui. Zverev, j'y crois pas sur ce premier tournoi sorti. Oh. Je le fais sauter. Ah, t'es Jarry, toi. Je le fais sauter non, en huitième face à. Jarry, vas-y. Pas de Colibert. Pas de Colibert printanier. Et Medvedev non plus. Medvedev perd Serundolo. Serundolo, il a perdu tôt à Houston, ça ne veut rien dire. Jarry. Serundolo en Masters 1000, ça a déjà été costaud. Jarry Serundolo. Tu voulais de la surprise. Mais j'ai rien dit. Marie, tu. J'ai rien dit. Tu fais des yeux. Je te connais par cœur. Envoie tes yeux. Envoie tes yeux. Je suis en train de. Alors d'accord, je vais rester de marbre. Tu colibises avec les yeux. Ben non, je ne dis rien. Je reste choquée de Tsitsipas. Je t'ai l'œil. Voilà, tu vois, c'est ça qui me. Tsitsipas, je n'y croirai que quand il rejouera à un niveau décent. Jarry Serundolo. Donc Jarry Serundolo. Alors Serundolo, je te crois, moi aussi, je le vois battre Medvedev. Non, c'est pas vrai, tu l'as mis aussi ça. Ouais. Mais je mets Zverev contre Serundolo en quart de finale. Pour moi, Zverev, il y est. Ah ouais. Et dernier quart. Contrairement à Marie qui va voir Sinner gagner absolument tous les tournois jusqu'à la fin de l'année. Ah, tu le vois perdre contre Baez. Je te dis, Marie, que ça ne va. Il ne va. Elle a fait les yeux. Il faut que tu restes branché sur les yeux de Marie quand... Enfin, non, elle a fait ses yeux. T'as fait tes yeux. Bah oui, t'as fait tes yeux. Parce un main qui est tombé tellement elle avait l'œil. Donnez-moi des lunettes de soleil, là. Je me retourne. Donc, dernier quart. Baez va créer une énorme surprise en battant Sinner. Énorme surprise, pas tant que ça. C'est son premier tournoi sur terre de l'année à Sinner. Oui, il va très bien jouer. Ne vous inquiétez pas. Mais il ne va pas se faire Monte Carlo, Madrid, Rome, Roland Garros. Sinner, vous le savez. Vous le savez. Alors, je vous le dis, c'est Baez Runeux. Et vous le savez très bien. Non, là, je peux pas te suivre. Même Benoît, tu vois, ça devrait te mettre quand même la puce à l'oreille. Non, même là, Benoît ne te suit pas. Non, là, moi, je suis sur Runeux, Sinner. D'ailleurs, petite info. Si Urkacz gagne là, ce tournoi de. Il est où lui ? À Estoril. S'il gagne le tournoi d'Estoril, il n'y aura qu'un seul joueur parmi les 10 premiers mondiaux à l'heure actuelle qui n'aura pas gagné de tournoi sur terre battue sur les 52 dernières semaines.
Sinner. Quand même pas mal, ça. Ça, c'est de la stat. On continue ? Oui. Ah oui, bah, vas-y, raconte. Le rythme qu'on a, non, on se dépêche. Ouais, ouais, non, allez. Alors, on se traîne, là. Non, une première demi là-haut, Alcaraz, Djokovic. Donc ça, ça a de la gueule. Là, les gens ont recraché le café avec Baez. Voilà, oui, c'est bon. Et le croissant avec Jarry. Voilà, bon. Exactement. Et là, t'as Djokovic donc, Alcaraz en haut du tableau. Bon, là, il y a une bouche. Djokovic Alcaraz, je te suis. Eh bien, tu vois, tout ça pour me dire finalement que t'as la même chose que moi. Non, sur le haut, sur le haut du tableau, à part demi-nord, on est d'accord. Après. Et en bas, bah, c'est Rundolo, je le fais continuer évidemment, contre Rune en demi-finale. Je vois pas ce qu'il y a d'aberrant avec cette demi-finale, c'est Rundolo-Rune, vous verrez dans une semaine. Parce que Rundolo, il fait pas un début de saison. Parce que moi, c'est Rundolo, il perd contre Zverev. Donc c'est Zverev contre. Alors. Là, c'est ma petite surprise, moi, c'est que Sinner ne passe pas Rune. Ah, ça, c'est... Bah, finalement, on a exactement... Et donc, Zverev jouerait Rune en demi-finale. Là, c'est quand même faire du théâtre pour faire du théâtre. Là. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Et on se rend compte qu'on a la même finale à la fin. Je te parle de Rune. Non, mais je sais qu'hier, il y en a parmi vous dans le chat qui ont dit Alcaraz n'a jamais bien joué à Monte Carlo. De toute façon, il est concentré sur Barcelone-Madrid. Il a ses titres à défendre là. Si Alcaraz peut prendre le Masters 1000 de Monte Carlo, il le fera. Et ça enverrait un signal fort dès le début de la saison européenne sur Terre. Donc, en plus, je vois Alcaraz bat Djokovic. Ah ouais ? Bah, bien sûr. Alcaraz bat Djokovic ? Bah oui, bien mais sûr. Bien sûr, je te suis. Je fais pas les yeux, je fais rien. Non, mais là, Marie, on le sait. Il l'a dit, Djokovic. Il est venu, il avait son beau petit costard, là, pour la tournée des popotes médiatiques. Il est venu, il s'est fait interviewer. Il l'a bien dit. Je commence. Je ne sais pas encore combien de temps à Monte-Carlo jouera Djokovic, mais je pense, à mon humble avis, qu'il ne le gagnera plus jamais, ce tournoi. Oula. C'est mon humble avis. C'est tout. Et en bas de tableau. C'est là qu'il va gagner. Rune, c'est Rundolo. Et on aura la finale Alcaraz-Rune, les deux 2003, face à face. Voilà, finale que j'adorerais voir à Roland-Garros aussi. Et qui gagne ? Alcaraz. Donc, première demi, Djokovic-Alcaraz, je te suis pour moi, Alcaraz bat Djokovic. Deuxième demi, moi, c'était Zverev contre Rune. Rune bat Zverev. Donc, j'ai la même finale. C'est fou. Et j'ai le même vainqueur, Alcaraz. Vainqueur Alcaraz. Alors là, je m'y attendais pas. Pour Julien Pichenet et Benoît Mélin. Rune qui joue Arnaldi au premier tour, hein. C'est ça ? Rune ? Ben non, au deuxième tour. Il joue qui au premier ? Ben Arnaldi... Tu sais pas, puisque qui c'est qui remplace Ruud-Suvori, qui lui aussi avait fait forfait. C'est un Lucky Loser. Si Arnaldi joue Sonego, par exemple, c'est pas gagné. Est-ce qu'on peut avoir ton prono, Marie, ta finale ? Ce n'est pas ma mission. Ma mission non, mais est de... vainqueur ! Ma mission est de présenter et de vous faire briller. Oui, chose que je réussis à faire, je trouve. Et de faire des colibets beaucoup, avec les yeux. Mais je ne vous regarde pas. C'est un petit peu de spectacle dominical. Est-ce que tu peux me donner ton vainqueur dans l'oreille ? 4 premiers tours aujourd'hui à Monte-Carlo. Non, je reste dans ma mission. Ma mission est de présenter et de vous faire briller, je le répète. J'ai entendu chuchoter Marie, elle l'a dit. Elle a dit Sinner. Et pourquoi Rune perd la finale ? En fait, moi, dès qu'il y a Djoko dans le tableau, je ne peux pas me dire que... Qui va perdre ? Ah, monsieur, à Monte-Carlo aussi. Alors ça, je me le dis. Mais Rune ne peut pas gagner la finale. Parce que le phare de Paimpol... Rune, j'y crois pas. Le phare de Paimpol, il commente sur France Télévisions. Ouais, mais t'inquiète, il est à côté quand il tape. Et là, il pourra pas, tu vois, il va être en cabine et tout, et donc Rune, il va être perdu. Et il peut pas gagner. Ça revient sur France Télé cette année, c'est ça ? Oui, enfin, un match par jour, et les finales, je crois que c'est sur France 4, je crois. Pourquoi pas un Zverev vainqueur ? Ah, ce serait beau. Pourquoi pas ? Ce serait beau. Un petit peu tôt, je le verrais plutôt à son meilleur à Madrid. Ou... Mais je crois pas deux secondes à Rublev. Allez, c'est bon. Non, moi non plus. Bon, enfin, de toute façon, vous inquiétez pas, demain on va. Alors, match du jour. Demain, on argumente beaucoup plus longtemps. Donc, il y a trois matchs aujourd'hui. On présente tout le tournoi. Ouais, il y a, je trouve, Baez, grande première entre les deux. Je trouve Baez, 1,47, Baez. Bah, Baez, pour Julien Pichenet, parce que Baez, il tape Sinner. Si tu mets, je trouve, il y a un truc qui va pas. Je trouve qu'il avait commencé son retour ici même l'an dernier en battant Rude. C'est lui qui avait battu Rude. Il a fait une énorme perf à Monte Carlo. Mais là, je trouve, il est très loin du niveau qui était le sien il y a un an. Et. Jouer Baez pour Schtroumpf sur un premier match sur Terre de l'année, c'est un piège énorme. Je ris. C'est sur quel point ? Baez à 47, Schtroumpf à 250. C'est sur le central, hein, de toute façon. Non. Non, attends. N'est pas sur le central. Si, je crois qu'ils sont tous sur le central, les premiers tournants. Pendant que Lapiche vérifie la programmation, Benoît Mélin. Bah parce que Schtroumpf, sur le cours des Princes, sur un coin des cours en haut, Non, c'est le central. C'est le central, donc Baez. Parce que sur les petits cours, Schtroumpf, il envoie. Bublik Ćorić, première sur Terre.
Bublik à 2,25, Coric à 1,56. Coric, on ne sait vraiment pas du tout où il en est. Il s'est retiré de quelques tournois. C'est un mystère encore plus épais que Bublik. Donc, j'irai sur le... Vu les cotes, je les découvre en même temps que vous, j'irai sur le 7 de Bublik. Benoît ? Pas touche ? Ouais, non, parce qu'il vient souvent avec sa chérie à Monte-Carlo. Il n'est pas très concentré, Bublik, quand il vient. Non, je touche pas ça. Kupfer, Grexpoor. Grexpoor à 1,64, c'est une première sur terre. Illisible. Ouais. Je ne sais pas, je passe la main. 2,15 Kupfer. Je passe la main. Parce que Grexpoor joue très très bien, vraiment très bon service. Ouais. Il est réglé comme c'est pas possible. Et Kupfer, là, la vache, qu'est-ce qu'il est solide. Ouais. Super coup de défense. Nombre de jeux, plus de 20 jeux. Ouais, 3-7. Ouais, un over. Over quelque chose. Et Mouzetti Fritz pour terminer. Ah, alors là, on t'attend, là. Bah, on va colibé. On va colibé. C'est un flip. Ouais, je te le promets, première sur terre. Première sur terre. C'est un match avec un enjeu très, très, très fort, très important. Il y a quand même beaucoup de points à défendre de part et d'autre. Hein. Des points d'un quart de finale pour Mouzetti et d'une demi pour Fritz. Donc c'est un match très important. C'est un match, vous vous rendez compte ? Attends. Là, il y a Chéri qui est là. Hein. Ouais, il est avec le bébé et tout. Hein. Donc ça veut dire qu'il ne dort pas. Il y a un ami hier qui m'envoie ce qu'on pense tous, mais voilà, je le cite, il dit « Quand on voit le tableau de Monte Carlo, on se dit quel crime d'avoir fait des Masters 1000 sur 12 jours. Vous vous rendez compte ? On a un Fritz Mouzetti dès le premier tour dans un Masters 1000 en 12 jours. Il faut attendre 43 jours avant d'avoir une affiche qui ressemble à ça. Et là, on a ça dès le dimanche. Donc c'est formidable d'avoir ces tournois. Heureusement qu'il y a encore quelques Masters 1000 qui se jouent sur ce format-là, parce que c'est... Et tu parlais météo, pourquoi tu dis il va flotter lundi ou mardi un petit peu, mardi, mercredi, ça va être un peu grisouillis si tu veux. Eh, mais ça change complètement parce que là, il fait beau depuis pas mal de temps, donc la terre battue elle doit être bien rapide. Et si jamais ça recommence à être un peu humide, ça change complètement. Et là, sur une terre battue comme ça, c'est vrai que j'ai envie de mettre Fritz, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'irai sur le nombre de jeux, le plus de 20,5 à 1,38. J'aime tellement Mouzetti, mais parfois ça paraît tellement lent avec des préparations qui durent 4 heures, un coup droit qui se catchanovise un peu. Tu sais, c'est long. Oh là, t'as le temps de faire plein de trucs pendant qu'il prépare. Ah, il y en a pas mal qui vont sur Mouzetti dans le chat. Non, franchement, c'est trop compliqué. Même si je crois pas vraiment en Fritz, hein, je pense qu'il va se faire découper contre Djokovic en 8e. Mais Mouzetti, il joue chez lui, quoi. C'est l'avantage de Mouzetti, c'est qu'il va y avoir une ambiance de dingue pour lui, quoi. Mais le dimanche, c'est pas blindé. Ouais, paradoxalement, ouais. Fritz pour tous les deux. J'avoue que je vais sur Fritz, j'arrive pas encore Fritz à croire. Fritz pour tous les deux. On fera les premiers tours dans le mag demain, les premiers tours de demain. On vous parlera aussi plus longuement de ce tournoi, on vous présentera le tournoi, les favos, les outsiders. On demandera peut-être à Juju Varlet aussi ce qu'il en pense, lui, sur le nom du vainqueur. Il aura une petite avance sur nous, parce qu'il y a quatre matchs qui se jouent aujourd'hui. Oui, j'imagine qu'il n'a pas mis ni Mouzetti ni Fritz vainqueur de Monte-Carlo. Non, mais il est en train de parler avec le coach de Félix Auger-Aliassime, il a dû mettre Félix en finale contre Dan Evans, parce qu'il met toujours Dan Evans. Il nous a quand même mis Wawrinka vainqueur de Marrakech. Voilà. Oui, c'est ça. Je pense qu'il va nous faire Aliassime contre Evans en finale Monte-Carlo, je pense, mon Juju. Nous allons jouer la piche. Allez-y. Grand moment, match point. Bonjour, je comble. Je dois combler. Je suis combleur. Marie, tu veux quel genre de raquette ? Ah, c'est un métier. Donc n'oubliez pas les pouces, parce que hier on en a parlé. Et ben il y a eu plein de pouces. Moi j'adorais. Donc voilà, n'oubliez pas les pouces parce que. Mais non. Je force. J'ai l'impression de forcer. Là. Non, t'en parles pas, t'en parles jamais. Ouais, attends, je te laisse de la place. Tu veux quelle place, Marie ? Tu veux te mettre là ? Tu veux te mettre là ? On voit rien. Hein. Attends. Light. Lumière. 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 Elle est lourde. Hein. C'est tout, lumière. Vous êtes prêts ? T'es concentré ? Je vous rappelle que mardi, il y a Simon Gauzy. Mardi, Simon Gauzy, à 11h dans l'émission, il viendra, il va parler le mag avec Marie. Voilà. Il n'y aura que Marie, d'ailleurs, elle va le faire tout seul. Marie au service. Allez. Elle sort. 1-0. Oui, ça va. Ah, mais pourquoi tu prends cette raquette ? Elle va à 2000 à l'heure. Je sais pas. Attends. Elle est pas bien là. C'est celle-là. Tu la contrôles mieux, celle-là. Oh. Ah non, elle était pas prête là. Voilà, 2-1. Il y a 3-1 normalement. Ah, il y a 3-1 ? Ouais. 2-2. 3-2. 3-2. C'est quand même autre chose. 3-3. Elle est bonne! 4-3. 5-3, Marie. Oh,
prends la chatte. Qu'est-ce que ça dit? La chatte. Non, mais attends, c'est un poil de fourmi, quoi. C'est à moi, non? 5-4. Oh, la tension, elle est palpable, là. 5-5. 6-5 balles de match. Ah, ah, victoire, Marie! Yes. Et tu vois la raquette des mamies? Est-ce que t'as vu la raquette des mamies? Ça fait gagner. Ça fait gagner, la raquette des mamies. Arrête! Mais t'es même pas le bon pour moi, alors. Oh, la victoire incroyable, sublime, mais quel match! C'est fini, j'arrête. Merci à toi. Je suis pas là demain. Ouais, mais exactement, excellent Marie, tout en contrôle, en contre, comme ça, en pause. Purée. On est rendu Collins. J'ai pas ma vraie place là. Vous avez remarqué que j'étais pas dans ma place habituelle. Oh là là. Je ne sais pas jouer là-bas, je suis perturbé. Oh l'arnaque. L'arnaque du mec. C'est une victoire totalement imméritée. Juste le dire, bien joué. Ouais, tu vois, bravo. Félicitations. Bien joué, quoi. Quel beau match, quelle belle victoire. Je suis content pour toi. Un peu bienveillant dans ce monde. Mais jamais je te dirais ça. Les mots, je ne peux je Marie pas. Marie Collins, c'est exactement ça. Oh, je suis moins rageuse, quoique. Merci à tous d'avoir... Ouais, quoique, c'est clair. Je n'arrive pas à le dire, Marie. Je n'arrive pas à te dire bien joué. Je ne peux pas. Ça ne sort pas. Ça lui écorche la bouche. Ça ne sort pas. Alors tu lui interdis de faire des colibets et toi, tu ne peux pas dire bien ouais, joué. C'est clair. Marie, t'as bien joué, bravo. C'est une victoire méritée. Ça pique. Merci à tous d'avoir été avec nous. Restons sérieux. Émission à retrouver en podcast. On se retrouve donc demain, Mag spécial Monte Carlo, analyse du tournoi, des forces en présence, ouais, des outsiders, etc. Ouais. Et on vous fera aussi évidemment des pronostics. Il y aura la VAR de Varley également. La tactique sur terre. Ah, je suis curieux. Voilà. Merci. Rendez-vous demain, 11h. Pas tennis, sans filet. Ciao. Oh, il a les nerfs.